Les lampions s'éteignent sur Wagafilm Lab, 7e édition. Ouverte le 26 septembre dernier, la 7e édition de Wagafilm Lab vient de dévoiler ses lauréats. C'est une édition spéciale qui a pu réunir 24 participants au lieu de 20 comme dans les années antérieures. Malgré le contexte sociopolitique, les pays comme l'Afrique du Sud, l'Égypte, le Kenya et bien d'autres ont frappé à la porte de cette 7e édition de Wagafilm Lab. Ousmane Boundaone. Ses objectifs, c'était de pouvoir réunir ici à Ouaga les 24 lauréats de l'édition 2022, de réunir ici les 9 formateurs et mentors qui devaient apporter leurs expériences, partager leur savoir-faire avec ces lauréats-là. L'objectif aussi, c'était entre autres de pouvoir mobiliser les partenaires donateurs des prix qui constituaient donc la quintessence de cette des éditions de Wagafilm Lab. La 7e édition aurait été l'une des éditions la plus riche en inspiration pour les cinéastes présents à Ouagadougou. Et ce, en raison des mouvements d'humeur et du putsch qui ont contraint le lieutenant-colonel Paulo Henri Damiba à l'exil. Les participants se disent satisfaits. Voici leurs impressions pendant la remise des prix. Juste dire merci d'abord aux organisateurs parce que nous avons passé une bonne semaine ensemble, même si à la fin nous avons connu une petite perturbation climatique sécuritaire, mais cela n'empêche, nous sommes très heureux. Mais c'est un véritable vivier et je pense que le lab fait énormément, ce lab-là, Wagafilm Lab fait beaucoup pour faire émerger les talents dans le continent. Voilà, ainsi prend fin cette édition spéciale dédiée à Wagafilm Lab. Rendez-vous pour la 8e édition.